Nous allons maintenant faire une description rapide des cadrans qui sont au nombre de 52. Le grand cadran central est en émail très coloré. Il est très particulier puisqu'il marque les 24 heures de la journée, avec midi représenté par un soleil et minuit marqué d'un croissant de lune. Vous pouvez constater que l'heure marquée ne correspond pas à celle de vos montres. C'est l'heure qui avait cours à l'époque de Monsieur Vérité, l'heure solaire moyenne du méridien de Beauvais, ou heure civile locale. L'heure légale est maintenant celle du méridien de Greenwich, près de Londres. Il faut en plus tenir compte du décalage de l'heure d'hiver et de l'heure d'été. L'horloge astronomique retarde donc de 52 minutes l'hiver et de 1h52 minutes l'été sur l'heure officielle. Ce cadran est marqué par la présence centrale du Christ qui donne mouvement à tout l'ensemble. Il est le créateur et le maître du temps et de l'univers. Dans sa main gauche, il tient le livre ouvert de la parole de Dieu qui porte la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, Alpha et Oméga, illustrant ses paroles « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. » Tout autour, 12 médaillons représentent les apôtres. Ils tiennent des banderoles sur lesquelles est inscrite en latin la prière que l'on nomme « Saint-Pierre ».